Situé près de Paris, ce cimetière est le seul où l'on doit payer pour entrer. Dès la naissance, on trouve un univers codifié, chiffré, qui parodie le monde des hommes. Un matériel perfectionné. En France, les ventes de fournitures pour chiens dépassent le produit intérieur brut du Sénégal. Le dentifrice le plus adéquat, dentichien. Le soin accordé à leur apparence leur ouvrira l'accès aux concours canins nationaux et internationaux. Demande les chihuahuas pour son ring. Ici, ce qui compte d'abord, c'est la pureté de la race, soigneusement vérifiée. L'esthétique, c'est le rôle des toiletteurs groupés dans le SNTEC, Syndicat national des techniciens d'entretien canin. Alors qu'il y a du chômage partout ailleurs, il s'agit là d'une activité de pointe. De nouvelles boutiques s'ouvrent chaque mois. Il y a plusieurs écoles de formation de toiletteurs, un métier difficile. Pour 100 à 400 francs selon la bête, on obtient un travail parfait que l'on doit répéter tous les 2 mois. Les chiens trouveront bientôt leur récompense. $35 l'os. En moyenne, nourrir un chien coûte 2000 francs par an. Pâle, Canigou, c'est Unisabi, lié à une multinationale, 1000 employés, 192e entreprise française, mieux que Vendère, Gillette ou Le Sieur. En principe, sauf dans un panier, il est interdit de métro.
Où vont ces aliments? Paris, capitale de la merde. Chaque année, 600 accidents par glissade. Pourquoi un chien, ça s'appelle un chien? Parce que ça chie partout. Mer de Standard. Mer de Canigou, plus colorée. Jamais d'amende pour ce délit. Mais si c'est un homme... Pour traiter 20 tonnes de mer de canine par jour, il y a ces motos qui coûtent plus de 70 000 francs. Le chien a son grand prêtre, sa presse, une littérature de droite. Dans ce journal, une page toutou et 10 lignes pour les morts de Soweto. Mais le chien réconcilie les politiciens de tout poil. En France, 8 millions de moins de 10 ans et autant de chiens. Plus servile, le chien prend l'avantage. Déçu par les humains, jamais par mon chien. J'ai des crocs menaçants. Attention, gare à vos mollets dodus et à vos bas de pantalon. Je ne supporte ni démarcheurs, ni mendiants, ni clochards, ni hippies. Le cambrioleur a toujours son kilo de bif. Il laisse passer ses amis. Il reconnaît ses ennemis. Le jogger doit user de ses armes, ce bruit ou cette pose qui déconcerte le chien. Oh, il mord jamais. 500 000 morsures par an. Pourquoi avez-vous épousé votre mari? Parce qu'il me protège bien des chiens. Il faut savoir se faire respecter. En Aveyron, un homme tué par morsure. À Avignon, un mois d'hôpital pour un enfant mordu. À Châtenois, un homme grièvement blessé. À Alençon, un bébé dévoré. Dans les Côtes du Nord, une fillette blessée. À Cormeil, un bébé mordu 30 fois. À Décines, une vieille dame gravement blessée. À Corbeil, un autre bébé est mordu 42 fois. En Ardèche, un chien appuie sur la gâchette et tue son maître. À Boissy, une fillette de 3 ans est tuée. À Gouvieux, 2 jeunes frères sont blessés. La nouvelle société, en quelques images. Allez, Elisabeth, viens à la maison. C'est l'heure de la soupe. Tu vas pas faire ta méchante, hein. Tu vas pas recommencer comme hier soir. Écoute, allez, viens. Écoute,
Je te préviens, hein. Moi, je te laisse. Je te laisse, je t'aurais prévenu. Écoute, si tu viens pas, je vais me fâcher. Là, je vais me fâcher, hein. Eh, oh, eh, ça va pas, non? Vous êtes fou, celui-là. Allez, allez, hop. Doucement, Vélizy. Doucement. Jeunes femelles sont demandées sur le ring de Monsieur Giannico. Attention, les élèves de l'École nationale du chien de Saint-Gervais d'Auvergne font actuellement une démonstration d'agilité d'orgue.